Ok, coucou, bonjour à vous. Pardon, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue pour ma dernière vidéo très spéciale Jeux olympiques, mais surtout paralympiques. Hop là, avec mes deux friges. Regardez, celle-ci, bien sûr, c'était celle des valides, et voici donc celle des invalides. Jeu de mots, jeu de mots marrant. Voilà. Donc, on va faire un bilan. Donc, on va faire un bilan en direct. Pendant ce temps-là, à la télé, qu'est-ce que je vois? Je vois donc la cérémonie de clôture. Paris est une fête. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques au Stade de France sous la pluie. Et oui, on avait commencé l'Olympiade sous la pluie sur la Seine. Et on la termine sous la pluie au Stade de France. Voilà, on aura fait le tour. Voilà, on a commencé par la pluie, on la termine par la pluie. C'est dingue le hasard. Là derrière moi, bien sûr, on fait un petit rappel, un rappel olympique évidemment sur les nombres de médailles, évidemment année par année. Voilà, donc là c'était olympique. La feuille suivante, c'était le classement olympique. C'était un exemple à Athènes en 2004, il y a 20 ans. Voilà, les Olympiques avaient terminé 7e. Alors maintenant, on va faire le résultat des Paralympiques. Alors, les Paralympiques. J'ai téléchargé les PDF, mais j'ai pas eu le temps de les imprimer. Donc, on va le faire en direct. Voilà. Alors. Hop, on recherche avec Wikipédia. Paralympique. Hop. La France. La France aux Jeux paralympiques. Voilà, on va faire. Au moins là, il n'y aura pas beaucoup, il y aura pas beaucoup de lignes à écrire. Alors du coup, je vais prendre les marqueurs tout neufs. On va écrire, donc j'avais écrit en bleu la dernière fois pour les valides. Pour les paralympiques, je vais écrire avec un feutre noir. Alors, est-ce que j'ai le classement par année? Alors donc, tac, tac, tac. Alors, les Jeux paralympiques d'été, on va uniquement utiliser ceux d'été. Alors, ceux d'été. Ah, ok. Alors, on va commencer. On va commencer. On va faire les tout premiers. Voilà. Donc. Ah, ouais, t'es vraiment pointu. Bah. Les paralympiques. Donc, les paralympiques avec donc les années. Avec le nombre d'or. Argent. J'ai mal les colonnes. Bronze. Le total et le classement. Alors, hop, mon beau petit tableau. Alors, mon beau petit tableau, il me dit que on va faire donc 1960 à Rome pour les Paralympiques. Après, on va faire dans les années 70, on va faire 76. 1976. Toronto, au Canada. Après, on va faire
On va faire mon année de naissance. 1984. À New York, aux USA, en 84. Après, on va faire dans les 90, on va faire donc on va faire l'Espagne, tiens, on va faire l'Espagne 92. On va faire 92. Barça, Barcelone, Barcelona 1992, 1992. Après, on va aller dans les années 2000. Alors 2000, 2000, 2000, 2000. Alors j'ai Sydney, Athènes ou Pékin. Sydney, Athènes ou Pékin. On va faire Athènes, tiens. On va faire Athènes 2000. Non, Athènes 2004, pardon. Voilà, il y a 20 ans. À Athènes. On parle des Paralympiques. Et dans les années 2010, dans les années 2010, on va faire. On va faire Londres, tiens. 2000, 2012, Londres. Voilà, Londres. Et logiquement, on va faire 2024, juste en bas, pour permis. Alors, commençons par Rome. On va commencer par voir l'évolution des médailles d'or en sport adapté. Alors, Rome, on avait commencé les Paralympiques avec 3 médailles d'or. 3. 3. 3, 1. Total, facile, 7. Et on était dans le top 10. Voilà. Donc 3 or, 3 argent, 1 de bronze, 7. Voilà. Bon, c'était le début. Après, c'était en Italie. Après, on passe au Canada. On passe au Canada, à Toronto, avec 20 médailles de plus. 23 médailles d'or. 23 médailles d'or. 21 d'argent. Et 14 de bronze. Et ça nous fait un total à Toronto de 58. 58. Et on est resté dans le top 10. Hein? À Toronto, on était 8e. Ok? Voilà. Sauf en 64 à Tokyo, on était 11e. En 64. 60, 70, 84. 84, mon année de naissance. Alors là, à New York, on a cassé la baraque à New York. On a cassé la baraque. New York, Stoke, Mandeville. Ah oui, il y avait une partie aux États-Unis et une autre partie en Angleterre. Alors là, pour cette double paralympique, on a fait 71 médailles d'or, 69 d'argent, 46 de bronze. C'est le chiffre que j'ai, hein, 186 médailles. Et on était que finalement, on n'était pas les meilleurs, on n'était que sixième. Voilà, 71 médailles d'or en 84. Il y a 30 ans, là, on avait pété le pute. Champagne. Voilà, allez, bon, c'est bizarre. J'ai des chiffres bizarres. J'ai 71 en or, 69 en argent. 46 en bronze, 186 au total, et la sixième place. Tout ça à New York et en Angleterre, à Stoke Mandeville, évidemment. Voilà, après on a fait 100 médailles, par exemple, on a fait encore 100 médailles à Séoul.
Assez haut, en 88, on a fait 140 médailles, 46, 44, 50, 46 d'or, 44 d'argent, 50 de bronze. On était dans le top 5 à Séoul. On était au pied du podium des médailles avec Barcelone, 36, 36, 34, 36 d'or, 36 d'argent, 34 de bronze. Ça nous fait un bon petit total à, un petit total à Barcelone de 106. 106 médailles. Je fais mal les zéros. 106 médailles, on était arrivé numéro 4, pays numéro 4. 36, 36, 34. Eh bien, vous allez voir que cette année, ça va être presque la même chose. Pas tout à fait le même chiffre. 2004, Athènes, il y a 20 ans. Ben, il y a 20 ans, on a fait une petite baisse. Alors, on a eu une petite baisse, une petite baisse. Malgré tout, on avait 18 d'or, 26 d'argent et 30 de bronze. Voilà. Bon, ça fait un petit 75. Un petit 74. Un petit 74. Et pour Athènes, on est resté dans le top 10. 9e. Voilà. Le pire classement, c'est la 14e place à Tokyo en 2020. Voilà. C'était il y a 4 ans où on est sorti du top 10. Et à Rio, on était également sorti du top 10. On avait terminé 12e à Rio. Voilà. Avec seulement 9 d'or, 5 d'argent, 14 de bronze, 28. Et à Tokyo, on avait donc 11 d'or, 15 d'argent, 28 de bronze. Et ça nous fait. Ça nous faisait 54. Eh oui. 14e. Londres. Oui, pardon, Londres. Londres. Oui. J'allais oublier Londres. J'allais oublier Londres. En 2000. En 2012, Londres. 8. Oh, 8. 8 d'or. 19 de bronze. 19 d'argent, pardon. 19 d'argent, 18 de bronze. Ça nous fait. Un total de 45 médailles en Angleterre et on avait terminé à la 16e place. Et je termine avec bien sûr avec Paris, pardon. Cette année, le résultat final est donc 2. À la 8e place. 8e place. Alors là, c'est total 75. Voilà, voici le papier. Hop là, je complète le 5. Bon, voilà, bon, vous voyez à peu près le 5. Voilà. Bon après, voilà, l'idéal c'est de faire comme en 84, de faire une grosse razzia de 186 médailles. Ou par exemple de faire comme en 92 à Barcelone avec 106 médailles. Là on fait que 75. Et 75. En fait, alors.